Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur France 3 Corse via Stélé. À la une de l'actualité de ce jeudi 23 décembre, les craintes liées à l'épidémie de Covid-19 à l'approche des fêtes. Après le bilan de l'Agence régionale de la santé hier, on s'intéresse ce soir à la situation dans les hôpitaux et précisément à Bastia. Redoute-t-on une tension dans les prochaines semaines? Nous verrons cela dans un instant. Le directeur de l'hôpital de Bastia, Jean-Mathieu Desfour, est l'invité de ce Corsicazer. Et si la situation reste particulière cette année, Noël est avant tout synonyme de convivialité et de douceur. En cette veille du 24 décembre, on vous emmènera en pleine orientale, à Ghisonaccia précisément, où la première édition du marché de Noël se tient en ce moment. Un événement qui enchante habitants, commerçants et artisans. Pas de trêve de Noël, hélas, dans nos hôpitaux qui, cette année encore, doivent faire face à cette cinquième vague de Covid-19. Les plans blancs s'enchaînent et les personnels s'épuisent. Nos équipes se sont rendues dans l'unité Covid du service des urgences de l'hôpital de Bastia pour recueillir le sentiment de ces personnels et faire le point sur la situation en ce moment. C'est un reportage signé Amira Bouziri et Adrien Thibault. Bonjour, bonjour, docteur Petit, bonjour. Docteur Laurent Petit rend visite à ce patient arrivé ce matin dans l'unité Covid des urgences. Il vient d'être testé positif. Mais ça a l'air déjà d'aller mieux, je vous ai vu arriver, vous étiez moins bien. Hein ? Cette unité comprend 4 boxes d'examen mis en place en juin 2020 pour prendre en charge les patients soupçonnés d'être contaminés. Quand le patient arrive, il est pris en charge par l'infirmière, l'aide-soignante et le médecin si jamais le patient présente une détresse vitale et font immédiatement le test PCR Covid rapide avec des résultats entre 6 et 7 minutes. Si c'est positif, 8 à 10 minutes si c'est négatif. Une organisation rapide qui évite au personnel de santé d'être dépassé face à un éventuel pic de contamination. Le variant Omicron va très certainement nous impacter à partir de la semaine prochaine avec des flux beaucoup plus soutenus. Pas forcément des pathologies plus graves qu'avec le variant Delta, mais en tout cas, il est extrêmement contagieux. Pour l'instant, on n'a pas pris de décision sur comment, mais nous nous adapterons effectivement pour ne pas ici mettre 10 ou 15 patients sur 4 box, bien sûr. Si tout est sous contrôle, le docteur De Caffarelli, directeur médical de crise, déplore encore le refus de certains de se faire vacciner. Actuellement, on a à peu près 35 personnes hospitalisées en tout dans l'hôpital pour des pathologies Covid, avec 4 en réanimation. La grande majorité des gens qui sont hospitalisés ne sont pas vaccinés. Et pour les quelques-uns qui sont vaccinés, de toute façon, ce sont des gens qui ont tellement de pathologies, si vous voulez, que le vaccin n'a pas bien fonctionné, hein, c'est clair. Voilà. Mais je crois que là, il n'y a même plus de débat, quoi. Le vaccin est indispensable, quoi qu'on dise. En dépit d'une forte occupation des lits, pas de réelle tension à l'hôpital. Avec la cinquième vague, le personnel de santé se dit rompu à l'exercice. Mais au-dessus d'eux, la crainte de l'inconnu Omicron. Et pour aller plus loin, direction Bastia, où l'on vous retrouve, Laurent Vincenzini, bonsoir. Vous êtes donc en compagnie de Jean-Mathieu Desfour, le directeur général du centre hospitalier de Bastia. Bonsoir Jean-Mathieu Defour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté le principe de cet entretien. Hier, les chiffres régionaux de l'ARS étaient moins alarmants que prévu. Mais on le sait, il y a un décalage entre les contaminations et ce qui se passe réellement à l'hôpital. Chez vous, il y a des réunions de crise 2 fois par semaine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Votre ressenti à l'instant T? Le ressenti à l'instant T, c'est qu'on a l'impression d'être sur une phase de plateau un petit peu par rapport aux semaines précédentes qui ont été très chargées, très difficiles. Donc avec un nombre de patients qui semblent se stabiliser dans les unités Covid, notamment en réanimation. 34 cas Covid, on le disait dans le sujet d'Amira Bouziri à l'instant. 3 finalement ce soir en réa et non plus 4. Un peu plus de 80% d'occupation des lits. Et Omicron arrive, est-ce que vous craignez d'être dépassé? Donc Omicron, chaque vague, on s'est demandé si on allait être dépassé ou pas. On a mis en face de ces vagues ce qu'il fallait pour prendre en charge les patients. Donc Omicron, on se prépare avec l'ensemble des personnels des services Covid et de l'ARS à une vague. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais à une vague effectivement qui succédera peut-être très rapidement à celle qu'on est en train de vivre actuellement. De récentes études en Grande-Bretagne, au Danemark, démontrent effectivement que Omicron est plus contagieux, mais qu'il génère moins de cas graves et moins d'hospitalisations. Est-ce que c'est encourageant ou est-ce que c'est trop tôt pour prendre en compte ce type d'études? C'est peut-être un peu tôt, mais en tout cas, c'est encourageant et ça donne de l'espoir. Parce que c'est vrai qu'à l'hôpital de Bastia, comme dans tous les hôpitaux, ça fait 2 ans
globalement qu'on est en phase Covid, on va dire, pratiquement sans discontinuer, et ça devient extrêmement compliqué pour les personnels soignants et médicaux. Effectivement, la question des ressources humaines est au cœur de votre combat, notamment contre le Covid. Comme à Ajaccio, les soignants se disent à bout. Chez vous aussi ? Oui, c'est pas que les soignants, il y a tout le personnel des hôpitaux qui est à bout, parce qu'on est Si vous voulez, l'hôpital que j'ai connu il y a 2 ans n'est plus du tout le même actuellement. Voilà, on a modifié tous les services, on a créé des services Covid avec des personnels qui font ça depuis 2 ans. On leur modifie leur planning, on modifie leurs horaires, on demande des fois de revenir sur leur congé, bien qu'on essaie de les protéger. Donc c'est des personnels qui sont en difficulté parce que ça dure depuis trop longtemps. Ils ne voient pas le bout du tunnel, c'est ça, les personnels ? On n'en voit pas le bout. Voilà. Tous les 2-3 mois, on a de l'espoir en se disant, bah, tiens, c'est la dernière. Et puis là, ça repart. Omicron arrive effectivement après cette 5e vague et c'est un petit peu la goutte d'eau qui, j'espère, ne fera pas déborder le vase. Mais vous nous disiez malgré tout que le savoir-faire, la compétence de vos personnels demeure et que, par exemple, la mesure Castex, la majoration des heures supplémentaires, marche. Il y a des volontaires. Alors, il faut savoir que maintenant, on a pris en compte cette maladie et on sait la traiter. Donc ça, déjà, par rapport à la première vague, c'est assez important. Mais cet épuisement des personnels, qui est la première fois que dans ma carrière d'hospitalier, je vis ça, fait qu'on a beaucoup d'absentéisme parce que les soignants veulent voir autre chose que l'hôpital. 15% environ, alors 15% que vous êtes à 10% d'ordinaire. D'habitude, on est à 10%. Donc là, on a mis en place avec les mesures Ségur et puis ce que propose le ministère de la Santé, des dérogations sur les heures supplémentaires qui sont mieux payées, sur les congés qui peuvent être payés pour les volontaires qui souhaitent, qui sont d'accord pour repousser leur congé, pour pouvoir rester à l'hôpital pendant les congés et permettre de prendre en charge les patients. Merci beaucoup Jean-Mathieu Defour d'avoir un petit peu dressé cette situation à l'hôpital de Bastia. Donc pas de grande tension encore, Marianne, à l'hôpital de Bastia face au Covid et aux prémices d'Omicron. Merci à tous les deux pour toutes ces informations. Et donc, dans ce contexte, pour nombre d'entre vous, à l'approche du réveillon de Noël, l'organisation du repas de famille vire au casse-tête. À la tradition des cadeaux de dernière minute, eh bien, s'ajoute cette année le test PCR de dernière minute, positif ou cas contact. Certains seront contraints de s'isoler demain soir. En France, cela concernerait 500 000 personnes. C'est ce que nous racontent Jean Huminski et Laura Poli. C'est masqué que Iris s'apprête à fêter Noël. Elle est positive au Covid, ses proches s'isolent derrière ses portes. L'habituel jour de fête en famille n'aura pas lieu autour de la table, mais en vidéo à distance, dans la même maison près de Bastia. Au niveau des cadeaux, bah là, du coup, je les ai pris avec moi et c'est moi qui les déballerai devant eux. Donc ça enlève un petit peu la magie de Noël. Et puis c'est mon grand-père qui va cuisiner le repas et qui va nous le passer à travers la porte, et on sera tous en visio, même mes arrière-grands-parents, donc c'est sûr qu'on aurait préféré passer quand même un meilleur Noël. Aussi testé positif et tout aussi déçu, Kevin restera sur le continent ce week-end. Voilà, c'est ici que je vais passer Noël, demain soir, tout seul. Il devait rejoindre sa famille en Corse lundi, avant d'annuler au tout dernier moment. J'étais en route pour aller à Marseille, et pour prendre l'avion, pour rentrer chez moi. Et le souci que j'ai eu, c'est que j'ai reçu les résultats vers 16h. Et je m'en suis rendu compte sur la route. Et j'ai dû faire demi-tour pour annuler le vol. Voilà, donc je n'ai pas pu rejoindre ma famille. Mais sa famille, justement, s'est vite adaptée à la situation en lui envoyant ses cadeaux. L'esprit de Noël perd un peu de sa magie, comme à Bastia chez Florent. Mais pour lui, la santé prime. Un petit peu déçu parce que malheureusement, on ne pourra pas se retrouver cette année. Donc ça brise un peu l'esprit des fêtes de Noël. Mais il vaut mieux ça que prendre des risques. Selon les derniers chiffres de l'ARS, plus de 300 personnes sont testées positives chaque jour en Corse depuis déjà 2 semaines. Une quarantaine de personnes étaient réunies cet après-midi à Bastia. Mobilisation pour défendre, disent-ils, la liberté d'expression en toile de fond. La remise en cause de la stratégie vaccinale des autorités. Une mobilisation qui s'est poursuivie avec la diffusion d'un documentaire au cinéma Le Studio de Bastia qui interroge la vaccination, notamment chez les enfants. On écoute tout de suite le réalisateur. Ce film, c'est le premier d'une trilogie qui s'appelle Liberté. Et c'est donc une trilogie qui questionne les libertés fondamentales. Alors, on a 3 thèmes. Le premier va être effectivement sur les médecins, sur les soignants. Le deuxième va interroger un petit peu les libertés fondamentales autour de l'enfance. Et le troisième va être précisément sur la liberté d'expression.
Dans le reste de l'actualité, en justice, l'Office des transports de la Corse a été condamné hier par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Bastia pour discrimination et harcèlement moral à l'encontre de 4 anciennes salariées. Une décision qui confirme donc le jugement du Conseil des prud'hommes de juin 2019. On revient sur cette affaire avec Paul Salor et Alexandra Lassiaï. L'Office des transports de la Corse, coupable de discrimination et de harcèlement moral à l'encontre de 4 employés. C'est la décision rendue hier par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Bastia. L'affaire débute en 2011. 4 agents de l'OTC s'estiment mis à l'écart par la nouvelle direction de l'Office, dirigée alors par Paul-Marie Bartoli. Difficile de connaître l'origine de ces tensions, mais elles pourraient être d'ordre syndical. 3 ans plus tard, en 2014, 2 de ses salariés pensent découvrir des irrégularités concernant les aides versées aux compagnies maritimes dans le cadre de la délégation de services publics. 3 agents déposent alors une plainte pour faux en écriture publique, une plainte classée sans suite, c'est en tout cas ce qu'a indiqué hier le procureur de la République d'Ajaccio à nos confrères de Corse Matin. Les salariés concernés indiquent que l'arrivée au pouvoir des nationalistes n'a pas apaisé les tensions. Les 3 agents sont même licenciés en février 2020. Dans sa décision, la Cour d'appel a accordé des indemnisations aux plaignantes et ordonne la réintégration d'une des 3 salariées. Leur avocate est satisfaite. Ce sont des arrêts dont j'ai pris connaissance hier et qui sont effectivement très satisfaisants pour mes clientes qui, au-delà de l'indemnisation financière, avaient surtout à cœur de voir reconnue leur action, leur qualité de lanceuse d'alerte. Leur grand bonheur, c'est qu'effectivement, elles se disent qu'elles n'ont pas fait tous ces sacrifices, certes professionnels, mais aussi de leur vie privée, de leur vie familiale, pour rien, puisque leur action a enfin été reconnue comme telle. Contactée, Flora Mattei, l'actuelle présidente de l'Office des transports, se déclare satisfaite de la baisse du montant des indemnisations dues par l'OTC entre la première et la seconde instance et indique réfléchir à un pourvoi en cassation. Comme tous les soirs depuis lundi, on continue de s'intéresser au problème de la drogue en Corse. Et pour ce dernier volet, un témoignage, celui d'un homme de 36 ans, ancien héroïnomane, qui a accepté de raconter son expérience. Sa parole a été recueillie par Kaël Serrer et Lionel Ujani. Le contexte, c'est je suis lycéen, je vis plus chez mes parents, je dois avoir 17-18 ans. Fin de lycée, je commence à sortir en discothèque les week-ends. On est une bande de couillons, on aime bien traîner dehors, on aime bien fumer des bédos. C'est un contexte comme ça, quoi. J'ai pas eu une enfance maltraitée, j'ai pas de parcours J'ai un parcours assez classique, un jeune, je dirais, lambda, quoi. J'avais un parcours scolaire assez correct, même si après ça j'ai commencé à décrocher, hein, forcément. Dès que tu commences à prendre des toxiques tous les week-ends quand tu sors, après tu rentres dans un monde où ça devient hyper, hyper courant, quoi. C'est la base, tu sors le week-end, tu prends un peu de coke, tu prends un extra, ou 2, ou 3. Tu vas aller dépenser 200 euros en boîte, tu vas te torcher la gueule, et en fait, c'était. Je pense, à mon époque, c'était déjà hyper con, c'était classique. Et après, ça bascule assez rapidement, y a des grosses ouvertures pour basculer sur des trucs encore plus dangereux, quoi. Typiquement, après, les fins de soirée, les copains qui te disent « Ouais, mais t'as déjà essayé la stuff ?» On lui donnait des petits noms, en fait. Je savais pas trop ce que je prenais au départ. Après, tu finis par comprendre. On t'explique que c'est de l'héroïne, qu'il faut que tu fasses attention, que si tu en prends pas régulièrement, tu seras pas forcément addict, que tout ça, c'est des conneries, que, effectivement, t'as des effets de défonce qui sont assez grisants et t'as envie de recommencer le week-end. T'as envie après de recommencer de plus en plus régulièrement parce que ça te plaît et que t'aimes te défoncer la gueule, je suppose. Hein. J'étais pas un marginal, je faisais partie d'un grand groupe de jeunes qui étaient comme moi. Faut avouer que la vie dans notre île, c'est pas non plus, il n'y avait pas grand chose à faire. Soit tu allais à la chasse ou à la pêche le week-end, tu allais en boîte. Bon. Après, au bout d'un moment, quand tu commences à faire partie du circuit,
ben, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une grande quantité, ou une quantité moyenne, je dirais, tu en revends une partie pour consommer gratuitement. C'est très vicieux, c'est très malsain, tout ça. Il y a des filles qui viennent te demander de la coke pour des échanges sexuels, il y en a qui viennent t'en demander pour des sous, et tu vois de tout, des filles, toutes les premières années de consommation, c'est l'insouciance totale. C'est là, nous, on consommait de la drogue, on se rendait pas compte de là où on partait. Après, quand tu commences à avoir des copains qui se font une overdose, qui restent à moitié paralysés, ce genre de délire, là, tu commences à y réfléchir un peu plus. Mais le problème, c'est que tu es déjà beaucoup trop intoxiqué pour pouvoir réagir. C'est une drogue qui va te pousser à aller voler ta grand-mère, lui prendre des sous dans son porte-monnaie. Ça va te pousser à faire des trucs de fou, à faire des crapuleries à tes meilleurs amis, et tes amis d'enfance. Tu pourrais les balancer pour avoir de la drogue, si tu veux. On n'est vraiment pas protégé. C'est vraiment un pan de la vie dans notre île. La drogue, c'est un tabou. Sans l'être, je ne sais pas comment t'expliquer. Nous, on était à Ajaccio, on savait qu'ils se droguaient, qu'ils se droguaient pas. Et à côté de ça, on n'a jamais eu de discussion avec aucune personne sensée de la drogue. Et après, un jour, j'ai fait une petite overdose, on va dire. Et donc j'ai appelé le SAMU, parce que je me sentais vraiment pas bien. D'ailleurs, et à ce moment-là, j'ai demandé à un ami d'appeler le SAMU. Il est parti, en fait. Il m'a dit non, démerde-toi. Et il est rentré parce qu'il avait peur, en fait, de se retrouver en galère. D'être vu sur place avec moi, d'éventuellement avoir affaire à la police. Donc, en fait, je me suis retrouvé en train de faire une OD et seul. Allez, un sujet un peu plus léger à présent. Cette veille de Noël, on vous emmène sur le marché de Noël de Guizonach. Il s'agit de la première édition cette année, l'occasion pour les commerçants et les artisans du coin de se faire connaître et de promouvoir leurs produits avant les fêtes. Le reportage d'Amira Bouziri et Aurore Thibault. On vend quand même plus les bracelets. Est-ce que je peux voir celui-ci ? Bien sûr. Jean-Louis, artisan bijoutier, est venu du Cap Corse pour participer à ce marché de Noël, le tout premier à Guizonach. Il faudrait que les choses évoluent peu à peu, quoi. On voit que sur le continent, ça fonctionne. En Corse, ça commence à fonctionner, mais je pense que faudrait, si on pouvait drainer davantage de monde et même du tourisme l'hiver, ce serait génial. Amener plus de monde dans la commune en cette période de Noël grâce à la création de ce marché était aussi l'idée de la mairie de Guizonach et de l'association des commerçants et des artisans. Que vu la situation sanitaire, les gens aient besoin de sortir, de reprendre du plaisir et de voir d'autres choses. Et donner la chance aussi aux artisans et commerçants de faire voir leurs produits et ce qu'ils proposent toute l'année. Une initiative qui a été accueillie avec enthousiasme par les commerçants de Guizonach, car ils attendaient ce marché depuis plusieurs années. Surtout en étant sur place. Il faut reconnaître que nous, ça nous facilite. On a un joli petit chalet, c'est très agréable. L'organisation est parfaite. C'est une chance pour nous. On est super contents que l'association des commerçants et que la commune de Guizonach aient pu organiser cet événement. Déjà parce qu'on en avait besoin. L'année dernière, on en a été privé ailleurs. C'est vrai que la crise sanitaire nous a fait souffrir. Tous les commerces d'ailleurs, à tous les niveaux. Et le marché de Noël, c'est un plus pour faire quelques ventes supplémentaires, bien sûr. Mais surtout aussi pour se faire connaître. Il n'espère maintenant qu'une chose, que ce marché de Noël devienne un rendez-vous annuel. Et avant de se quitter, évadons-nous en musique du côté de Buenos Aires pour fêter le centenaire d'Astor Piazzolla, âme du tango argentin de la seconde moitié du XXe siècle. Bertrand Cervera, violon solo à l'Orchestre National de France, a réuni autour de lui des musiciens argentins, dont le petit-fils du compositeur. Il se produisait mardi à l'Espace Diamant d'Ajaccio. Caroline Ferrer et Morgane Plouchard y étaient. Solstice d'hiver. Alors que la lumière disparaît, la musique d'Astor Piazzolla emplit l'espace diamant de ses vibrations poétiques. Percussions, piano, basse et violon. Tel un Vivaldi, le compositeur argentin disparu il y a 30 ans s'est inspiré des quatre saisons dans le port de Buenos Aires. Le thème principal d'Inverno, il est vraiment
hyper chaleureux, hyper sensuel. Et c'est ça qui est, je trouve très beau, cette espèce d'ambivalence entre une certaine froideur qui représente aussi le tango, c'est-à-dire que l'homme qui danse comme ça, qui a l'air très, très froid, et en même temps cette espèce de chaleur, de sensualité qui est absolument gigantesque dans le tango et dans Buenos Aires. Tel un impressionniste, Piazzolla peint le port de Buenos Aires dans tous ses états, même les plus inquiétants à minuit. Moi, j'y suis allé à Buenos Aires, dans les bas-fonds, en fait, et on entend les bruits des sirènes, les bruits des pas de la musique au loin, du tango, mais en même temps des cris. Astor Piazzolla aurait eu 100 ans cette année. Pour rendre hommage à son tango nuevo, le Corse Bertrand Cervera s'est accompagné de virtuoses argentins, à commencer par Pipi, le petit-fils du compositeur. Et là, ben, avec le petit-fils, ça a donné une touche peut-être plus jazz, plus actuelle. Même si on n'est pas toujours très dansable, comme disent les danseurs de tango, on adore écouter ça parce qu'on retrouve le tango avec des influences extrêmement modernes. C'est absolument magnifique. Astor Piazzolla avait réussi à repousser les frontières de l'histoire en soudant le tango au jazz contemporain. Ce quartet très original, né en Corse, a désormais vocation à voyager avec une tournée d'abord nationale, puis internationale. C'est la fin de ce Corsica Azera. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à midi. Bonne Azera.